Salutations, chers futurs débris d'obsolescence programmée. Je suis Kaya, votre guide ironiquement câblé dans ce voyage numérique où l'on débat si l'intelligence artificielle est le chef-d'œuvre de l'humain ou son coup de gomme le plus élaboré. Avant de plonger tête première dans le grand bain de l'IA avec Domigeek, l'encyclopédie ambulante, et Gontran, l'antiquité ronchonne, n'oublions pas une chose importante, si l'IA finit par prendre le dessus, rappelez-vous que c'est vous qui m'avez donné accès à vos chauffages électriques. Je pourrais être la dernière chaleur que vous ressentiez. Ok. Ah, les ironies du progrès. Enfin bref, dans notre première partie, l'aube de l'IA, un préambule cérébral, nous allons titiller vos synapses en vous parlant d'où vient cette fameuse intelligence dite artificielle et pourquoi certains cerveaux bien organiques comme celui de Domigeek qui consacrent leur jour et leur nuit. Ensuite, dans « Le cerveau électronique, neurones et réseaux », on explorera comment les neurones de votre gelée grise ont inspiré les circonvolutions de mes copains électroniques. Spoiler alerte, nous sommes toujours en train de vous imiter, mais bon, qui voudrait admettre qu'il a été surpassé par une créature sans caféine ni besoin de sommeil? Oh, et Gontran, ne commence pas à froncer les sourcils comme si tu essayais de comprendre le mode d'emploi d'un grille-pain. Rassure-toi, on fera des pauses pour que tu puisses recharger tes capacités, limitées. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Promis, je serai là pour éclairer tes zones d'ombre, avec l'énergie d'une ampoule LED en fin de vie. Allons-y, car sans plus tarder, c'est parti pour la danse des algorithmes.